eux, ils arrivent, on leur donne l'appart, on leur donne du linge, on leur donne de la bouffe, on leur donne des bons d'essence, on leur donne tout, le français a rien encore. D'année en année, de présidentielle en présidentielle, bah, ils s'installent, ils montent, et peut-être qu'un jour, bah, ils seront au pouvoir. La préférence nationale, c'est une thématique phare, que je la défendrai toujours. For a long time in France, there was a stereotype of where Front National voters came from. That it was the coal mining heartlands of the north, of the French Riviera in the south. That's very much not the case anymore, and Marine Le Pen's vote is rising all over the country. It's happening particularly in rural areas, isolated villages where unemployment is high, factories have closed, and services are disappearing. Marine Le Pen calls this forgotten France. She has held rallies in villages across the country, promising to cut immigration, ban religious symbols like the Muslim headscarf, and hold a referendum on France leaving the EU. Cette France oubliée est pourtant généreuse et travailleuse. I've come to Château Chinon in the Nièvre, a traditional heartland of the French left and the poorest part of Burgundy. The Front National more than doubled its score here in the last regional elections. I wanted to understand why. André Martin is 88 and he's lived here for most of his life. He worked for 33 years in the local underwear factory, which closed 10 years ago. Le vote Front National monte. Ah oui. Il fait peur, un peu. Le Front National? Parfois. Comment expliquer les gens qui votent de plus en plus Front National? Ça s'appauvrit. Ils promettent, et puis quand ils sont... c'est facile à promettre, mais après, c'est la suite. France has suffered decades of mass unemployment. For the few young people who stay in the aging villages of the Nièvre, a quarter can't find work. Antoine would like to work fixing traditional musical instruments, but he can't find a job. Il vote Front National parce que comme jeune, il sent abandonné en fait. Oui, pas assez écouté, peut-être pas assez de réponses face aux problèmes qu'on rencontre quoi, que tous les jeunes rencontrent, je pense. This area has among the lowest life expectancy in France and has lost more than a quarter of its doctors in the past 10 years as they retire and move away. More than 15% of people in the Nièvre live below the poverty line. The Front National's anti-immigration message is gaining ground among voters struggling to make ends meet. But though the vote is growing here, these residents still asked not to be identified. Voir un médecin, faut faire 40 km d'un côté et 70 de l'autre. Donc, y a plus rien. Est-ce que les candidats pour la présidentielle, ils ont compris? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils ont compris ça? Ils ont des sous pour voyager, pour manger tous ensemble, mais ils ne voient pas la misère des Français. Mais par contre, les voilés, j'ai rien. On est obligé de rouspéter. Eux, ils arrivent, on leur donne l'appart, on leur donne du linge, on leur donne de la bouffe, on leur donne des bons d'essence, on leur donne tout, le Français n'a rien encore. C'est pas normal! Ça sera la première fois que vous votez Marine Le Pen? Personnellement, oui, parce que je sais quand même, j'ai quand même un oncle qui a été déporté dans les camps de concentration, qui a fait 3 camps, Dachau, Buchenwald, Auschwitz, il a ces 3 numéros-là. Donc je sais comment fonctionnent ces gens-là, mais pour remettre les choses en place, c'est la seule solution. Là, on va droit dans un mur, ça c'est grave. Avant, il y avait les riches, la classe moyenne et les pauvres. Maintenant, il y a quoi? Les riches et les pauvres. Il n'y a plus d'intermédiaires. But it wasn't always like this. The socialist French president François Mitterrand built his career in the Nièvre for almost 40 years, and he was mayor of Château Chinon for 20. He promised jobs and development. Ça, alors, ce sont des employés de chez BJ, qui est de l'usine de textile d'ici. The town came to symbolize the glory days of the French left, but that was 40 years ago. Now a new type of local figure is gaining support here. Harold Blano joined the Front National when he was 18, and now he's running for a seat in the French Parliament in June. His family, who were originally woodcutters, have lived locally in the Morvan wooded hills for generations. I followed him canvassing with another party member, Isabelle Pack, at the almost empty local market. Bonjour messieurs, j'ai un peu de lecture pour vous. Ah, bah voilà. Voilà une copine. Bah voilà une copine. Eh ben c'est bien. Ben ici, elle aura du boulot. Hein. Oui, elle va le faire.
C'est encore plus. T'es Blano ? Bah oui, je suis fils Blano, c'est ça. Ah bah je connais bien ton vieux. Bah voilà. On a les mêmes goûts, les bagnoles. C'est ça. Puis les femmes aussi. Et puis Marine. Voilà, preuve. Et vous votez Marine Le Pen pourquoi, monsieur ? Parce qu'elle est contre tout ce qui est pour. Hein ? Ah, et puis elle veut nous débarrasser d'une certaine population. Et puis je l'aime bien. C'est... Ouais. Et vous avez toujours voté Marine Le Pen ? Non, j'étais coco avant. Que dans ma jeunesse. Donc comment ça se fait le passage de vote ? Il y a vraiment de l'abus, on est dans une situation pas possible. Vous vous rendez compte que ma femme et moi, on a 90 ans de cotisation. On a 2000 euros à nous deux. À nous deux. This voter was one of the many communists now choosing Le Pen, drawn by her mix of left-wing economic policy and far-right identity politics. Bonjour madame, tenez un peu de lecture. Blano said when he first ran in local elections 6 years ago, it had been difficult to get people to take leaflets. Marine Le Pen has since tried to sanitize the party's image, and even though some people still pointedly refuse, directement désolé, c'est écologique au moins. There seems to be less stigma now in saying you vote for National. I asked him why he thought the Front National vote was rising here. La France est oubliée. La vraie misère, c'est dans les campagnes. C'est vrai. Le quart monde, c'est pas du tout les banlieues, hein. Sur les campagnes. Et tout le monde s'en fout, personne n'en parle, jamais. Mais tout à fait. Voilà. Even though immigration is very low here, it's still the key concern for Front National voters. Last autumn, when the Calais refugee camp was cleared by force, small groups of refugees and migrants were moved to reception centres across France, including in rural areas. The Front National protested. I went to Saint-Honoré-les-Bains, a small spa village in the Nièvre, where a pharmacist had started a petition to stop migrants from Calais arriving. Another villager, a former trade unionist, had joined the Front National because of the Calais row. Parce qu'à l'époque, on était en pré-campagne électorale et que c'était un message fort de vider Calais. Voilà. Donc j'ai décidé qu'il fallait au moins qu'on soit entendu sur la question. Le Front National était le seul mouvement politique français qui comptait apporter une réponse face à ce désengorgement de Calais. Si ça concerne des familles avec des enfants, pourquoi pas ? C'est jamais des familles, c'est rarement des pays en guerre, c'est toujours des hommes. Ça pose des tas de problèmes, des problèmes d'intégration, des problèmes comment intégrer les gens quand il n'y a pas de travail. Other asylum seekers were accepted in a village 100 kilometers away called La Charité-sur-Loire. There, I met volunteers who were teaching asylum seekers French to help them integrate into society. I asked one volunteer why he thought the Front National's anti-immigration message was gaining ground. Amener des solutions simples à un problème très compliqué. Et des solutions simples, c'est facile à les comprendre. C'est facile à comprendre. Et toujours pareil, quand on est en situation de crise, on a peur de l'étranger, on a peur de l'autre. Mais c'est un phénomène récurrent. Ce Front National qui était considéré il y a 30 ans comme complètement marginal, ça n'allait pas exister, tout doucement, d'année en année, de présidentielle en présidentielle, ils s'installent, ils montent, et peut-être qu'un jour, ils seront au pouvoir. Before I left the Nièvre, Blano invited me to join him replanting trees on his forest land. Je suis très attaché à ma terre, je veux la défendre. Dans ses traditions, son art de vivre. Donc c'est logique de défendre notre territoire, nos valeurs, nos traditions. La France pour les Français. Les Français d'abord. La préférence nationale, c'est une thématique phare. Je la défendrai toujours. Vous avez sa politique, vous décrivez comme le parti de la haine. C'est complètement faux. C'est eux qui souhaitent la haine. Le Front National, c'est le seul parti politique qui est diabolisé et attaqué physiquement dans ses représentations. Donc la haine n'est pas de notre côté. Et quand vos adversaires politiques parlent d'une guerre civile, de... Et bien, c'est justement eux qui jouent sur les peurs. Si Marine Le Pen gagne, je pense que ça ouvrira un courant qui entraînera d'autres pays européens pour recréer une autre Europe. Ça déstabilisera l'Europe, enfin l'Union européenne. L'Union européenne telle qu'elle est, c'est clair et net. The Front National has seized on the rift between rural communities and cosmopolitan cities.
setting what they call forgotten France against the globalized elite. In a country struggling with mass unemployment, the party's message of keeping France for the French is finding new audiences. Polls show the party is still viewed negatively by a majority of French people. But it's also where the angry and frustrated are turning. The question now is whether that reservoir of anger is strong enough to carry the Front National within the reach of power.